J'avais peur.
J'avais peur. J'avais peur. Aussi peur. Tu es
vie bien plus loin de vos yeux. Tu comprendras mieux tous ces mots qui me font peur, que j'ai cachés comme un voleur. Plus jamais,
demander toujours encore. Plus jamais je lui offrirai avant de buguer au printemps. Je crois pas que s'amuser porte bonheur.
Est-ce que j'ai pensé à vous dire bonsoir? Est-ce que vous permettez que j'enlève mon blouson, il fait chaud? Oui, oui, tout à l'heure je retire la chemise, attendez. Je suis pas la seule. Bon, alors, je crois que c'est le moment, je chante toujours ma petite chanson orientale. C'est une chanson que je n'ai pas faite pendant des années, puis d'un seul coup, avec mon ami Alain Doporidis, que vous pouvez applaudir. On s'est dit que ce serait bien de la ressortir un peu, puisque on est un petit peu dans la mode des années 80, tu vois. Vous aimez ça, non, je crois? Bon, vous savez que normalement, je suis censé être en direct sur Radio Nostalgie en ce moment. Faut pas le dire, hein. C'est un petit peu de la triche. Je vais appeler mes danseuses habituelles. Même si Akima veut venir danser, elle est bienvenue. Hein. Qu'est-ce qu'il veut venir danser avec moi? Il me faut 4-5 danseuses. Non, toi, t'es trop jeune. Tu vas avoir des histoires encore. Moi, j'ai 20 ans. Ah, ben voilà, des danseuses. Bon, encore une ou deux. Non, mais des vraies danseuses. Quoi, quoi. À forte poitrine. Ah non. Bon, allez, c'est une chanson qui s'appelle Jamila, 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 Jamila. Je vous préviens, je ne les paye pas. Hein. Musique. Mes douleurs sur ses yeux, de la fièvre sur ses lèvres, et loin de Khomeini, Melini, Adjani. À 15 ans, là je sors, là je prends, dans un instant, en Satan, qu'elle porte le matin. Son jeudi, sous un roman qui swingue l'Algérie, un croissant, oh, désir, pas le temps, pas le temps. J'ai mis la ville, celle de rue, et tout le monde sur ses yeux, de la tête sur ses lèvres. Jamila, 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 Jamila.
Vous pouvez applaudir Roxane, Ayat, Sandra et Amandine. J'adore. J'en profite pour saluer, en dehors de tout le public qui est venu ce soir, que je remercie mes fidèles amis qui me suivent en tournée partout. Aussi. Et ceux-là, ils sont très importants. Car ils me donnent toujours l'envie d'aller un petit peu plus loin. J'en profite pour saluer également les bénévoles qui ont travaillé sur ce site, l'équipe de la mairie, et puis tous ceux qui ont mis du cœur à l'ouvrage. Mais ils sont nombreux. Qu'est-ce que vous faites sur scène encore, vous ? Ah, vous voulez rester avec moi, faire tout le tour de chambre ? Foutez-moi le camp. Qu'est-ce que tu fais là ? C'est fini. Non, vous pouvez vous mettre... Ah, le tour de chant est fini, tu veux dire ? Pour elle. Ah, pour elle ? Bon, je sais plus ce que je devais chanter, moi. Une vieille chanson. Une chanson des années... Vas-y, on voit une chanson de l'année 1982, j'ai bien l'impression. Ça va passer, j'ai du bol chez toi pleuré. Je suis sonné comme un boxeur qui a pris un pain en plein dans le cœur. J'ai plus 15 ans, je suis déjà presque grand. J'ai appris à bien mentir, même quand j'ai mal, je sais me tenir. Heureusement, j'étais déjà fou. Sinon, j'en serais devenu fou. Je m'attends à la sourde les bras et je ne plus que tu ne pas là. Même si ça craque dans ma tête, je passerai pas par la fenêtre. Et à longtemps que je suis tombé, je sais très bien, je sais pas me lever. Heureusement, j'étais déjà tout.
j'ai dit à mon ami Eric Chardin, qui me l'a offerte quelques temps avant de me quitter. Et ce soir, je vais chanter pour lui, bien sûr. Vous allez chanter avec moi ? Le monde est gris, le monde est bleu. Et la tristesse me sur mes yeux. Je ne pourrai pas être heureux, car je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'a dit où je t'aime. Oh, je n'ai pas. Mes yeux. Mon cœur est gris, mon cœur est bleu. Oh, l'amour me quitte peu à peu, car je n'ai pas qui m'a dit ce que je sais. Oh, je n'ai pas. Une autre bouteille, très bonne bouteille. De la femme, on peut pas. Pour le gamin, il peut pas. Allez, on va dire 83 ou 84, un truc comme ça. Poulet de mes couilles. Oh,
toi c'est pas le plus fort de musique si je peux. Qu'est-ce que tu fais? Je dois aller dehors.
Et oui, elle est quand même partie. Merci. Oh, qu'est-ce qu'on va chanter? Encore une autre? Oui. Bon, vous êtes content d'équipe de France un peu? Vous pensez qu'on va aller plus loin? En quart de finale? En demi? En finale? Ouais, je vais vous dire un truc. Si jamais on va à finale contre le Brésil et qu'on gagne, vous oubliez de faire un voyage de noces là-bas. On se fait tous couper la tête. Moi, je pense qu'on peut aller loin. La finale, attends, on est gourmands. Là. Mais attention aux Pays-Bas. Hein, ils font mal, ceux-là. On sera les champions. Attends, tu veux être champion? Pour l'instant, c'est moi le champion. Attends, j'étais champion de baby-foot. Hein. Champion de France de baby-foot, s'il vous plaît. J'ai un titre. Oui. Et s'il y en a un qui veut me provoquer, je peux bien jouer une petite mousse. Enfin, je dis ça, mais je bois pas. Tu la boiras pas. Alors, vas-y. On peut saluer très fort notre ingénieur du son en façade, monsieur Emmanuel Ferrand. Et allez, on se réveille.
yeux. C'est famille que j'ai retrouvé, comme un sourire en ville de l'aimer. Que c'est pour vous qu'il faut tout brûler et oublier, oublier, oublier tout le monde. C'est la fin de moi. Celui qui vit
Bon, c'est pas moi, avec moi que vous allez vous enrichir. Hein, j'ai arrêté l'alcool en 1962. Mais c'est des conneries, j'étais pas né. Enfin, un peu. Un petit peu beaucoup. Ça va bien, monsieur Joël Alain? C'est mon agent, il est derrière, là, vous voyez. On peut l'applaudir quand même, monsieur Joël Alain. C'est quand même quelqu'un, Joël Alain. Oui, c'est le moment où je... C'est une chanson que je suis obligé de chanter dans mon tour de chant. Et en général, maintenant, c'est devenu une coutume. J'aime bien appeler les enfants des villes à venir me rejoindre sur scène. En dessous de 55 ans. Un jour, j'ai appelé des mondes, il y a un mec avec une barbe comme ça. Alors, s'il y a des enfants qui viennent avec moi, et je les emmènerai à Paris, et qui disent adieu à leurs parents, ils ne les reverront plus. En général, quand je dis ça, il y en a deux ou trois qui pleurent aussi. Alors, il y a combien? Et on ne fait pas des enfants dans cette ville? On ne sait pas faire les gamins? Hein. Parce que si vous allez à l'île de la Réunion, par exemple, où j'ai chanté, il y a plus d'enfants que de parents. Là-bas, on appelle ça la location braguette. Je vous assure, hein. Bonjour. Tu veux monter par là, toi? Vas-y. C'est bien parce qu'il a mis un bouson comme moi. Ah bah ça y est, ça commence à travailler ici. Bon, alors rapprochez-vous. Venez parler un peu. Bonjour. C'est bien. T'as une fiancée? T'as une gonzesse, toi? Non? Vas-y. Il n'y a que ça ici. Tiens, la petite blonde, elle serait bien pour toi, non? Tu la vois pas? Ben non, c'est normal, tu viens de bouffer une glace en plus. C'est vrai, c'est, t'as vu, il a un peu du caramel partout. On va faire l'effet, c'est pas grave. Bon, on dirait que t'es l'invité vedette. Alors tu te mets bien devant. Regarde-moi. Avec ton bras. Regarde-moi. Et comme ça avec ton bras. Non, ton bras, pas le mien. Regarde, vas-y, comme là, les mains à gauche, à droite, à gauche. T'as vu un truc, toi? Quelle idée de lui mettre une casquette avec lui? On voit rien. Retire-la. Bon, regarde comment ils font, et puis tu vas faire pareil. Comme ça. Vas-y, regarde devant toi ton public. On va la zic. 3. Un chanteur, un monde seul, le pain, mais des bonheurs.
moi, sans en être prié. Mais tout au fond de moi, c'est toi que j'attendais. On se sert un peu plus, tu tiens tellement de place. Et depuis ta venue, je me regarde en face, dans mon premier pas, dans mon premier geste. Mais l'enfant que je rêve m'a pris tout le monde qui me reste. Ma chanteur, ma grande douceur, ma part, ma part de débordement. La vie vient de faire le cœur à papa chanteur, ma grande douceur. C'est par toi que j'ai mes plus beaux souvenirs. Je n'ai pas de passé, tu es mon avenir. J'ai grandi sans savoir ce que c'est la tendresse, la douceur d'un regard et la main qui caresse. Toi tu es ma chair, de mon sang, de mes larmes et de toutes les guerres que j'ai gagnées pour toi sans le voir. Chante. Espoirs et regrets, d'où je viens, qui je suis, pour toi je monterai un monde imaginaire. Celui qui m'a manqué, moi, je n'avais pas de peur, je n'avais qu'un moment, ce profond bonheur. Je me suis fait heureux en ce moment-là. Je te le donne. Papa chanteur, maman douceur. Est-ce qu'on salue le public, les enfants? 3, 1, 2, 3. Quelle belle chorale. Bon, magnifique. Restez devant. Restez avec nous devant. Ça s'est bien passé pour toi? Tu sais, il est très sérieux tout à l'heure. Toute la chanson. C'est que toi, tu peux finir CRS, hein. Tu vas bien? Il est formidable. Ils sont où tes parents? Là! Merci de l'avoir habillé comme papa chanteur. Si tu grandis comme moi, tu vas mal tourner, tu verras. Fais gaffe. Allez, je vous embrasse pas tous parce qu'on va y passer une heure, les filles. Je vous embrasserai après. Descendez, mettez-vous là avec tout le monde. Comment, monsieur Joël Alain? Oui, tu t'en occupes, c'est bien. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter là? Une chanson triste? Non, on va alterner une chanson triste, une chanson très triste, une chanson triste, une chanson... Faudrait que tu reviennes! Vous savez, moi, j'appartiens à la catégorie des chanteurs traditionnels. Plus qui sont en voie d'extermination. C'est bon,
Donc je fais partie des crooners, tu vois. Je chante des chansons d'amour. Mais je suis obligé de chanter des trucs un peu tristes. Sinon, c'est pas drôle. Par exemple, Julio Iglesias, il a pas chanté des trucs gays, tu vois. C'est pas vrai? Ah non, celle-là, j'en chante plus. Avant de bon cœur. Moi, j'aurais bien mangé une corbeille de frites. On dit une corbeille ou une... Ça peut se dire barquette, corbeille. Ah, une barquette. Tu imagines une corbeille de frites. Le mec qui prend 100 kilos dans son ami. Elle a une chanson qui s'appelle « Il faudrait que rien ». Je vais venir la chanter avec vous, tiens. Comme ce matin, j'ai comme un goût de ne rien faire. J'ai comme un goût de goût à rien. Ma vie qui marcherait à l'envers. Le vent dans la monnaie s'amuse à se moquer de tout du temps. Du temps qui passe et qui nous use. Ce soir je pense. Tu reviendras, pour une nouvelle instant. Je te dirai pas, je t'aime. Comment ça va, tout simplement. Qu'as-tu à l'air, à l'habitude de mon ascendant.
Waouh. Tu vas faire comme Catherine. Tu vas faire comme la Catherine qui t'a jamais fait sa faute. Il n'y a pas une piscine là, j'ai envie de me baigner. Depuis que j'ai fait je plage, j'ai envie de nager. Toi aussi, qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais rester une partie de la nuit, sincèrement. Ça me dérange pas. Mais demain, il y a un match de foot. Hein. La Belgique. Il y a un match demain. La Belgique. Je sais pas ce qui m'arrive, je me mets à regarder le football, moi. C'est à cause de lui. Je vous dis pas quelle équipe je supporte en France. J'ose même pas vous le dire. Moi, j'ai l'honnêteté de vous dire, je supporte une équipe du Nord. Je supporte Lens. Oh non!
Lui, pas du tout. Ah non, lui... Si, lance quand même. Lance aussi. Espèce d'hypocrite, faillot. Bon, allez, je vais terminer, je vais chanter une chanson, ensuite je resterai un petit peu avec vous. Et si vous voulez, je chante une autre, vous me dites. Qu'est-ce que vous voulez que je chante? Je ne sais pas si là, celui-là. Vous savez, en 32 ans, 33 ans, je crois que j'ai dû enregistrer 250 chansons, 300 chansons. Alors, maintenant, je ne sais pas, il faudrait que je puisse dans mon répertoire. Un jour, je vais faire une salle à Paris et je vais chanter toute la nuit. La gueule ! Merci ! La gueule ! Qui l'accompagne autour des festivités. Monsieur Claude. J'en ai perdu. Claude Jorion, c'est ça, excusez-moi. Et puis monsieur Jean-Claude Legrand qui a envie, Jean-Luc, de te remercier en direct devant ton public. Ça me fait plaisir. Alors, je pense qu'on a tous passé un moment formidable avec Jean-Luc Lahaye, mais avec toute la programmation qu'a fait Joël Alain. Parce que je pense qu'on peut dire un grand merci. Jean-Luc, on travaille avec Joël depuis plusieurs années, et c'est toujours des spectacles formidables. Alors Joël me disait en toute confidence qu'il sait compter les rangs. Moi, j'ai pas d'appareil pour compter les rangs. Je pense qu'on a plus de monde que le résultat des élections municipales au Cato. Vous êtes un peu plus de 3000 à
elles sont là aujourd'hui. Alors félicitations. Et puis il y a une élection, donc j'ai eu la chance d'avoir un de mes copains assez anciens qui avait négocié la programmation, puis mon jeune successeur qui est adjoint au fait, c'est Claude et Jean-Claude qui ont facilité aujourd'hui cette manifestation sous un temps clément. Et je peux te dire que on est des ch'tis. Alors moi j'étais content quand tu as dit Lens. J'ai un doute que derrière c'était plutôt Marseille. Non mais voilà, il supporte Marseille, mais l'amour de sa vie est une ch'ti. Ah ben alors ça va, il est pardonnable alors. Tout à fait. Puis merci encore d'être venu et puis on continue le spectacle avec toi et puis merci à Joël. Et puis surtout merci à vous d'être présent et d'avoir répondu. Alors moi simplement je voudrais remercier, vous savez que dans une commune il y a un maire, il y a des adjoints. Je voudrais aussi remercier Cyril Chapelle. Cyril, bien. Alors Cyril, c'est le Benjamin de notre équipe. Cyril, c'est un de ceux que j'ai dans ma commission. Et Cyril, il est depuis ce matin avec moi, depuis 8h30. Nous sommes ici pour tout préparer, pour dire quand tout s'est bien passé. Voilà, donc Cyril, merci à toi. Merci du boulot que tu as fait. Je voudrais aussi remercier Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc qui a fait un tour de chant comme d'habitude remarquable et remarqué, voilà. Remercie aussi les services techniques municipaux, sans quoi on ne pourrait pas faire ce show. Jean-Luc, merci, merci, merci. Ok, je vais vous offrir une dernière chanson, je vais remettre le son, et ensuite on va manger des frites. Cette chanson, je vous l'offre, c'est grâce à vous si je suis là ce soir. J'étais comme toi à 15 ans, je tournais le boulevard de l'ennui. Devenir quelque chose de plus qu'un de ces enfants dont on fait un jour des semaines un gosse. Si je ne chantais pas, si je ne chantais pas, je sais pas ce que j'aurais fait. Je ne chante pas, je ne chante pas.
crois qu'il est attaché à mon corps.